Salut tout le monde, c'est Fuse et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo très spéciale. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a un petit bout de temps, j'avais fait une vidéo sur les catastrophes naturelles dans Minecraft. Alors c'était une vidéo dans laquelle je vous montrais des mods qui permettaient d'avoir justement des catastrophes naturelles dans Minecraft. Et l'une de ces catastrophes naturelles, c'est le tsunami. Bon, alors, le tsunami, on va faire une petite démonstration. Alors j'ai oublié de présenter avec qui je suis aujourd'hui. Je suis avec Natip. Ça va Natip Bonjour. Oui, ça va <laughs> Bon, Natip, je pense pas que vous le connaissiez, mais en gros, c'est quelqu'un qui euh, suit la chaîne depuis très longtemps, c'est euh, le modérateur principal... des principal ou pas Voilà, le modérateur principal euh, dans les commentaires, donc si jamais vous voyez des commentaires qui sont bien triés, bien rangés, et bah c'est grâce à Natip, donc merci Natip De rien <laughs> Le concept d'aujourd'hui va être très simple on va chacun notre tour avoir 10 minutes pour récolter des ressources, puis 5 minutes pour construire une base. Et l'objectif va être de construire une base waterproof. C'est à dire qu'on va devoir essayer de survivre au tsunami en étant à l'intérieur de la base. À partir du moment où vous touchez de l'eau, c'est perdu. Et ensuite, si nos deux bases sont correctement waterproof et qu'on arrive à ne pas toucher d'eau, on va devoir se départager à la décoration de la base. C'est à dire, celui qui aura fait la plus belle base, eh ben, aura gagné. Et comment est-ce qu'on va se départager? Bah, c'est vous qui allez voter à l'aide d'un sondage à la fin de la vidéo. Il y a quand même deux trois petites règles, par exemple on n'a pas le droit d'utiliser de porte et bah c'est tout je crois <laughs> Donc écoutez si vous êtes partant, c'est parti Ok bon Natip, est-ce que tu es prêt à commencer, est-ce que tu es prêt à préparer ta base et, euh, et bah, justement à peut-être avoir ta base complètement détruite par un tsunami Eh bah oui c'est parti allez. Ok ok Bon écoute Natip, ça commence dans 3, 2, 1, c'est parti Donc je te rappelle du coup là tu vas avoir 10 minutes pour récupérer des ressources et ensuite, euh, et ensuite bah auras 5 minutes pour construire ta base. Donc 10 minutes ça va hyper vite très franchement donc si j'étais toi je me dépêcherais. Bah, c'est ce que je vais essayer de faire. Bon t'as déjà une idée ou pas au niveau de la stratégie que tu vas adopter euh, bah je sais pas, je vais essayer de mettre de la pierre je pense, même si c'est pas ce qui se fine le plus rapidement. Alors honnêtement franchement j'ai absolument aucune idée de comment est-ce qu'il fonctionne ce monde, euh, de ce, ce monde. Ce mode. Yep. Euh, et je sais pas en fait si il euh, y a de la résistance par exemple sur la pierre ou si jamais il y a de la. Enfin, je, en fait, je sais absolument pas euh, quelle est la résistance de chaque. Ah, mais t'as de la chance, toi, tu tombes juste à côté d'un. Remarque, ouais, on s'en fout en, en fait. <laughs> mais euh, t'es es juste à côté d'une mine, donc je sais pas s'il y a vraiment des choses très intéressantes à récupérer au niveau minerai, mais euh, t'es juste à côté d'une mine. Enfin, moi, je pense que surtout le plus intéressant en fait, c'est vraiment de récupérer des blocs. Et euh, comme j'ai dit plus tôt, la décoration rentre en compte, en tout cas dans le vote des abonnés. Donc il va falloir essayer de faire une base qui est quand même un minimum, euh, qui est, qui est un minimum de. La gueule donc je sais pas encore trop comment est ce que tu vas t'organiser pour ça moi personnellement je sais que j'ai absolument aucune idée niveau décoration de ce que je vais faire hein. parce que ouais, bon, bon, vous connaissez mes skills en décoration ouais, moi je vais être honnête avec toi je pense que la, la meilleure solution en tout cas si tu veux maximiser ton nombre de blocs c'est de te faire une hache et de miner un maximum de bois parce que pour chaque bûche de boîte as quatre planches ah, ce qui bah oui. honnêtement est pas négligeable je, je pense après la pierre c'est plus c'est plus solide donc je sais pas si euh, ça peut casser les blocs ou pas le tsunami mais, euh, mais il faut prendre ça en compte Oh, je fais une maison, je sais pas trop si je fais une maison ou un truc comme ça. Euh... Bah, honnêtement, euh, après, franchement, tu peux faire un bâtiment, tu peux faire un bunker ou quoi. Alors, il faut juste que tu aies un accès pour rentrer et sortir de ta base. Ça, c'est important. Euh, et est-ce qu'on se donne le droit aux portes ou pas euh, Moi, je pense que non. Je pense qu'on va, on va s'interdire le droit des portes parce que sinon, c'est assez facile. Je sais pas si ça casse les portes ou pas le tsunami, mais, euh, mais on, va, on va pas se laisser le droit aux portes. C'est à dire qu'il faut vraiment que tu aies un accès euh, libre sur dehors. Donc, il va falloir trouver une astuce pour éviter que l'eau arrive. Et euh, ta maison elle va être inondée, mais toi, t'as pas le droit de toucher l'eau en fait. D'accord, ok. Bon, t'es à la moitié du temps, t'as 5 minutes 30, donc là je pense que je pense que t'es pas si mal. Alors, après, encore une fois, euh, reste à voir ce que t'es capable de faire niveau décoration avec le peu de blocs que t'as, parce que j'ai l'impression que t'as tout transformé en bûche en fait. Ouais. Enfin, en, prendre, en, en euh, planche. Ouais, ouais, en ouais, planche. Bon, je vais, je vais de pas de te bûche. donner trop d'astuces, enfin, moi j'ai ma petite idée, mais enfin, moi en tout cas, ce que, ce que je te dis, c'est que moi j'aurais pas tout transformé en planche. Après, bon, vous connaissez encore une fois mon niveau en décoration. Donc euh, voilà, tout est relatif. <laughs> en vrai, je suis en train de me dire, c'est quand même un avantage de passer en deuxième. Comme ça, ça me donne à peu près un ordre de grandeur, enfin une, une, une idée de à quel point est-ce que il... dans un premier temps, à quel point eh ben, sa base va résister au tsunami, mais dans un deuxième temps aussi, à quoi va ressembler sa base pour savoir un petit peu euh, ce que je dois faire niveau décoration pour essayer d'être mieux. Donc franchement, c'est un gros avantage d'être passé en, en deuxième, en, en, en deuxième finalement. Bon, je te rappelle que quand même, si au moment du tsunami tu touches l'eau, c'est une élimination euh, directe. Donc euh, c'est chaud. Donc je trouve un endroit où me caler pour être sûr de ne pas toucher l'eau. Ah, en vrai je sais pas du tout comment fonctionne le mode. C'est-à-dire que je n'ai pas encore trop testé les, les, les tsunamis mais je, je, en fait j'ai absolument aucune idée de à quoi ça va ressembler. Il te reste plus que euh, 40 secondes pour récupérer des ressources. prendre ça pour faire un pot de fleurs à la limite au cas où. <rire> <rire> ça peut faire son effet. 10, 9, 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1, stop On ne bouge plus Ok, nickel Phase de construction Donc là, maintenant, tu vas avoir 5 minutes pour pouvoir créer ta base. Ça commence maintenant tout de suite, là. Hein. Le, le timer voilà. est revenu à zéro. Et t'as 5 minutes pour construire ta base où tu veux, comme tu veux. Et il va falloir que tu résistes au tsunami et que tu ne sois pas éclaboussé. Et que ta base soit accessoirement jolie. Mais ça, c'est en, en secondaire. Pourquoi j'ai fait un timelapse lapse là là, un timelapse de ma maison moche <laughs> Eh ouais. OK, il te reste plus que 20 secondes pour terminer ton pour terminer ton truc. 15 secondes, ok, ça devrait le faire, tu devrais réussir à faire le toit. Alors, juste, oh là là, oh là là, vite, vite, vite. Allez, oui, bravo, ok, nickel. Il te reste 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est bon, on ne touche plus, on ne touche plus. Cette fleur... Ces deux fleurs-là ne sont pas homologuées. <laughs> Alors, euh, bon, explique-moi un petit peu ton concept d'entrée ici, là. Euh, bah, alors là, c'est pour passer sans que l'eau vienne. Parce que du coup, si on vient. Ah, ok, on ouais, t'as bien pensé à, à mettre après. des échelles, c'est bien. Ok. Et euh, ouais, il y a un petit peu des hautes herbes dans ta base. Je, je sais pas. C'est les abonnés <laughs> qui jugeront au niveau de la décoration. Donc, je ne sais absolument pas du tout ce qu'ils ce, que, ce qu diront. Mais euh, ok, ok, ok. Donc, est-ce que tu te sens prêt là, à affronter le, le tsunami pas trop, mais bon, il n'y a pas trop de choix. Et donc la maison Ok, ok. Bon, bah écoutez, je vais récupérer mon tsunami bucket juste ici. Bon, va on va aller le, le déposer un petit peu plus loin, histoire que Natip ait le temps de le voir venir. Alors en plus, t'as fait des espèces de, de petites fenêtres, donc c'est cool, au moins tu verras un peu le, le tsunami arriver. Donc c'est parti, on va le faire un peu haut. En gros, euh, j'ai remarqué un truc, c'est que en fonction de la hauteur à laquelle vous mettez le tsunami, ça change pas mal de choses. Donc ce qu'on va se dire, c'est que on va lancer le tsunami pour moi, pour la prochaine fois, on, on, on lance le tsunami à la couche 80, ok Ok, donc T'es bon ou pas natif T'es prêt oui, oui, allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Oh là 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 là, oh là 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 là, quel bordel ce tsunami <laughs> En fait, je sais pas si tu as remarqué, mais il y a deux vagues en fait sur le tsunami. Il y a une vague du dessous et une vague du dessus. Donc là, il y a la vague du, de, du dessous là qui est en train de progresser beaucoup plus vite que la vague du dessus. Mais euh, alors t'es dans ta base là, natif Oui. <laughs> c'est intimidant de voir la vague arriver comme oh là ça. Oh là 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 là, oh là là là. Alors, attends, je, je vais quand même regarder à l'intérieur, voir si jamais je vais faire le. Je vais vérifier que l'eau ne te touche pas. Alors là, franchement, j'ai l'impression que t'es plutôt safe en fait, sur ce, sur ce point-là. Enfin, je sais pas, à moins que l'eau arrive à remonter ou limite arrive à casser. Ah, peut-être qu'elle casse les fences, ça je sais pas. C'est possible. Est-ce que. Oh là là, oh là là. La, la, la vague arrive, la vague arrive. Oh là là, ton entrée commence à être mouillée. Est-ce ah. qu'elle remonte Ok, alors, c'est stylé, ça l'eau, elle casse les échelles. Ce qui n'est pas, ce qui est pas ah. le cas en Minecraft Vania. Mais, mais j'ai l'impression que tu es relativement safe pour l'instant. C'est-à-dire que... Bon. Ouais, c'est-à-dire que là, pour l'instant, pour l'instant, t'es pas mal. C'est-à-dire que là, le tsunami, j'ai l'impression qu'il passe au-dessus de toi sans trop de problèmes Ok, ok, ok. Je pense que ta maison est homologuée, c'est bon, elle est waterproof. Donc, bien joué, bon. Natip. Maintenant, là, ça va se jouer euh, sur la décoration. À part si ma base à moi, eh ben, elle n'est pas waterproof. Et si jamais je me fais éclabousser. Ça, hein, on sait pas. Oula, oula, oula. Oula, oula. <laughs> <laughs> t'es cassé. T'es cassé. Le... Le ah corps. bah dis donc c'est dommage Natip t'as perdu <laughs> non Bon allez c'est à mon tour <music> Ok les gens c'est à mon tour, tu me dis Natip dès que je peux commencer et on commence Alors attention 3 2 1 Go Ok, c'est parti. Bon, alors moi, ma stratégie niveau décoration, elle va être vraiment très simple. Je vais faire dans, bah, évidemment dans, dans, dans le hyper simple. On va quand même essayer de se dépêcher. Il me faut du bois, du sable et de la pierre. Alors vraiment, c'est niveau pierre que j'ai peur. J'ai peur de pas avoir assez de pierre, mais voilà. Et j'ai aussi envie de prendre un petit peu des risques. C'est-à-dire que moi, ma base, euh, je vais volontairement laisser des trous dedans. Je vais pas faire comme Natipe avec son espèce de, de petit trou à rat. Je vais essayer de. <laughs> non, mais je vais essayer de faire un truc un petit peu. Voilà, essayer de prendre des risques. Sinon, c'est pas drôle. Attends, ça, c'est un truc qui me saoule vraiment trop dans Minecraft c'est de recommencer une nouvelle partie de voir prendre de la stone pour ensuite pouvoir crafter un four ah non, ça, ça me saoule trop c'est pas possible alors, faut savoir un truc, c'est que si j'ai invité Natip, c'est pas juste parce qu'il bah, est là depuis, sur la chaîne depuis un, un bout de temps et que voilà il, est, il travaille bien. C'est aussi parce que euh, je pense que vous l'avez remarqué si jamais vous avez vu le dernier épisode de Minecraft Modé. Mais à la fin du dernier épisode de Minecraft Modé, je vous parle du nouveau recrutement de modérateur qu'on euh, qu est en train de, de faire. Alors, je sais pas si, si les recrutements vont toujours être ouverts au moment où je sors cette vidéo parce que euh, je crois que vous avez reçu énormément de demandes. Ouais. Vous avez beaucoup, reçu combien de, de demandes en tout Oh, plus de 1500 candidatures. Plus de 1500 candidatures à trier. Enfin, vous imaginez pas la galère que ça doit être. Mais euh, du coup, ce qui est marrant, c'est que dans le tas, dans les candidatures qu'il y a eu. Alors, si jamais il y a toujours les candidatures d'ouvertes, je vous mettrai le lien dans la description, comme d'habitude. Mais euh, ce, qui est, ce qui est drôle, c'est que dans les candidatures, il y avait vraiment des perles, des, des trucs vraiment hyper drôles. <laughs> du genre. À, euh, de, de, Enfin, il y avait plusieurs questions sur le, sur le, sur le formulaire. A votre avis, en quoi consiste le travail de modérateur sur une chaîne comme celle de Fuse3 Bon, je tiens juste à préciser, c'est pas moi qui ai fait le, le formulaire de recrutement, c'est les modérateurs de la chaîne qui ont fait, qui sont débrouillés de, de leur côté. Et enfin, franchement, il y a des perles, c'est tellement drôle. À aider Fuse3 à trier ses commentaires, à répondre aux commentaires et à supprimer les commentaires inappropriés. Bon, quelques soucis d'orthographe, disons. <laughs> et euh, des candidatures comme ça, il y en avait vraiment énormément. Donc je pense que ce que je vais faire, si jamais ça vous intéresse, vous me direz un petit peu ce que vous en pensez. Mais si ça vous intéresse, ce que je pourrais faire c'est sur la chaîne secondaire faire une petite vidéo un petit peu rigolote où on regarde tous les, toutes les perles en fait des candidatures. Dans la mesure où en plus il y a un channel sur le Discord des modérateurs qui est dédié justement aux perles des candidatures, ça pourrait être assez rigolo, j'ai rien à trier en plus. Donc bah, vous me dites un petit peu ce que, ce que, si ça vous plaît ou pas comme, euh, comme concept. Et puis si ça vous plaît je ferai ça, j'essaierai de faire ça dans pas trop longtemps. <laughs> euh, bon je suis à, à combien de temps Natip 3 minutes pile. Ok, donc ouais, il me reste 7 minutes pour récolter des ressources. Donc ça va, là je suis dans les temps, ça va, je, je suis pas mauvais. 5 minutes 20. Ok, donc là j'ai. Je suis un peu au-dessus de la moitié. En vrai, là ça va, je, je suis assez content parce que je suis dans les temps. Mais en fait, moi il me faudrait vraiment, vraiment quelque chose que je voudrais avoir. Ce serait. Euh, ce serait, ce serait. De, du sable, ok, il y a du sable juste ici, nickel. Hop, 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 vite, vite, vite. Bon, je pense que je vais pas avoir besoin de plus de 12 de sable, donc euh, ça va, je suis pas trop mauvais. L'idéal, ce serait pour pouvoir faire cuire le sable, parce que mon objectif avec le sable c'est d'en faire du verre, ce serait d'avoir un petit peu de charbon, mais si j'en ai pas, c'est pas la fin du monde. Mais là, niveau, euh, honnêtement, niveau ressources, euh, je suis plutôt large. 6 minutes 10. Ok, ok. Bon, je pense que limite, en fait, ma stratégie, ça va être de commencer la construction avant d'avoir fini de récolter... Enfin, avant la, la fin de la phase de, de récolte de ressources. Pourquoi Parce que, euh, très franchement, je pense que là, niveau ressources, je vais être très très large à partir des 7 minutes, là. Et on est à combien 6 minutes 30. Ok, bon, ça va, ça va. Je pense que je vais être assez large niveau ressources à partir de 7 minutes, donc, euh, donc on va pouvoir euh, tenter de, de commencer à, à construire la base. Ce qui me donnera un petit peu de temps supplémentaire et qui devrait quand même pas mal m'aider. 5, 4, 3, 2... 7 minutes. Ok, donc là on est à 7 minutes. Je vais finir cet arbre et on va commencer la construction de, de la base. Alors, moi vraiment, je vais faire une maison, mais tout ce qu'il y a de plus normal. Hein. Je sais pas si vous vous souvenez, mais pendant un moment, sur la chaîne de The Fantasy of 964, il faisait une série qui s'appelait euh, Des Cubes. Je crois que c'était ça le, le nom. Donc, je vais honteusement voler le design de base. Parce que c'est un design de base qui est juste hyper simple à faire et, euh, et qui marche bien. Donc, alors on va essayer de se trouver une zone un petit peu dégagée, genre une plaine là-bas. Et on va se construire un truc euh, comme ça. Alors, bon, je vais pas faire un truc hyper poussé avec de la déco et tout, mais genre juste vraiment un truc de base. Donc, il me faut déjà. Hop, une petite table de craft en plus. Bon, je perds du bois en craftant des tables de craft, mais ça devrait le faire. Hop, on se fait un petit four. Et on met à cuire le sable à l'aide de bois. Ok, c'est nickel. Donc maintenant, là, il va falloir faire la, les fondations de, de la base. Donc on va faire ça avec de la cobble, juste aussi simplement que ça. Donc les fondations. Ok, bon, je vais faire une maison qui est quand même très allongée, mais c'est normal. Ensuite, il va nous falloir... En fait, j'ai peur de pas avoir assez de ressources, ça me fait trop flipper, mais... Bon, ensuite, il faut faire les piliers sur les côtés, c'est la base de la construction, ok. Donc tout le tour, en fait, sur la première couche, on va mettre de la cobblestone. Franchement, ça me fait penser aux vieilles maisons qu'il y avait dans Minecraft. Je sais pas toi, mais franchement, ça me rappelle trop les... Avant, tout le monde ouais. faisait des constructions dans ce genre-là, en fait. Hein. C'est que vrai. très récemment qu'on a eu des nouveaux builders un peu plus originaux, mais... Bon, je prépare des, des espaces pour les fenêtres. On est à combien de temps, là, du coup 8 minutes 45. Ok, ça va, je, je suis large ça se trouve, j'aurais même fini avant le temps, le temps réglementaire. Ok, donc en fait là, mon concept au niveau de la porte, c'est de laisser une porte comme ça. Je vous rappelle qu'on n'a pas le droit de mettre des, des portes. D'ailleurs, je vais me faire un petit, euh, un petit escalier pour rentrer. Hein, tant qu'on y est, autant, autant voir les choses en grand. Donc je vous rappelle que les portes sont interdites dans, le, dans, dans, dans les consignes de, de la, du truc. Donc je vais devoir ne, ne pas me protéger à l'aide d'une porte, ce qui risque d'être un petit peu compliqué parce que euh, bah, l'eau elle va rentrer par la porte, c'est sûr et certain, puisqu'il n'y a, a aucun bloc qui, qui la protège. Donc il va falloir que je sois un petit peu plus, voilà, un petit peu plus ingénieux à, à ce niveau-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me faire en fait, je pense que le, le niveau de l'eau ne va pas dépasser le niveau de la porte. Si vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que ça n'ira pas au-dessus de ce bloc-là. Donc il faut que je trouve un moyen, je pense, avec une échelle. Je pense que ça sera le, le plus simple. On a combien de temps, euh, Natip, s'il te plaît 9 minutes 45. Ok, nickel. Je pense qu'avec une échelle... Alors l'échelle va se casser parce qu'on a vu plutôt avec Natip que de son côté, son échelle avait été cassée. Mais on va se faire une espèce de petite mezzanine à l'ancienne. Voilà, un truc vraiment euh, hyper euh, basique. Phase de construction. Ah, bah oui, hein, on est à 10 minutes. Même si techniquement j'ai commencé la construction, là on rentre vraiment dans la phase de construction. Euh, en vrai, niveau niveau bois, ça va être chaud. <laughs> ça va être chaud, j'ai pas prévu assez de bois, je crois. Non, ça va être limite, mais ça va passer, je pense. Elle est clairement plus belle que la mienne. Non, non t'inquiète pas, que déjà faudrait que j'arrive à la terminer. Ouh, putain, j'ai failli crafter un stack de. J'ai <laughs> failli crafter un stack de. de crafting bench, je sais pas pourquoi. A few moments later. OK bon Natip m'a donné des steaks parce que sinon j'allais mourir de faim. On est à combien Natip il me reste 2 minutes je pense, un truc comme ça. Il reste 11 on est à 11 minutes 56. OK non, ça va, il me reste 3 minutes. 3 minutes c'est chaud mais euh, mais je pense que ça passe. Je pense que ça passe. Donc on va se prendre du verre, voilà, nickel. Ouais, niveau vert en fait, je vais être assez large. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc je mets mes petites fenêtres à l'ancienne. C'est plus intelligent je pense d'utiliser des glass pane parce que justement les glass pane ça permet de ça permet C'est quoi je vais faire carrément un étage plein en fait. Donc j'y suis 13 040. OK, normalement ça va le faire là, ça va le faire. J'ai juste à mettre ces blocs là, il faut bien faire attention là que ça soit hermétique cette zone-là parce que c'est la zone où là, tout va rentrer. Pourquoi est-ce que mince Regardez ici un trou, les glass pane, elles se connectent pas aux escaliers Non OK, normalement ça devrait pas poser de problème parce que euh, le jeu considère quand même que c'est un bloc complet, mais on sait jamais. Voilà. Ouais, normalement là, je vais prendre le risque, <laughs> je vais laisser ça ouvert, j'espère juste que ça casse pas les glass pane. Sinon, euh, je suis euh, bah, je suis foutu, hein, autant le dire. C'est quoi Je vais même mettre des petits blocs ici au cas où au cas où euh, l'eau commence à couler, je puisse me, me réfugier ici, voilà. Hop, on va se mettre des petits escaliers pour faire genre un canapé. On est à combien de temps, euh, Natip là 14 minutes 27. Ok, il nous reste 30 secondes pour peaufiner les détails. Mais euh, je pense que là, niveau global, je pense que moi je suis bon. Ouais, mais je suis assez content en fait, finalement, de ma, ma maison. Elle est pas, pas dégueu. Ça ressemble à une maison. <laughs> ok, ok, ok. Bah écoute, tu peux arrêter le chrono ici. Moi je, je suis bon. Voilà donc ma maison finale, donc vous pouvez d'ores et déjà juger entre ma base et celle de Natip, alors évidemment il y a des trucs qui sont pas parfaits, là il y a un escalier qui est en trop sur le côté, bon bah écoutez voilà c'est des choses qui arrivent, mais euh, de façon globale je suis assez content de cette maison, donc voilà ça sera à vous de décider qui a fait la meilleure déco ou pas, et bah maintenant là ça va être à moi de, de survivre à l'apocalypse, euh, Natip est-ce que t'es prêt avec ton, ton, saut de, ton saut de tsunami ou pas Euh... Hop. Ouais parti. Ok, donc le, le saut de tsunami, je pense que tu, le mieux ça serait que tu ailles le poser là-bas parce que moi j'ai une grande baie vitrée ici, je pourrais voir bien la, la truc arriver. Donc tu poses le saut à la couche 80, histoire que ça soit équitable entre toi et moi. Ok, ok. 80... Hop, bon, on va faire une tour. Hein. Ok, ah bah, bah là, écoute, tu... euh, vas-y, tu peux, tu peux y aller, tu peux y aller. Attention... Donc, je rappelle que non. je n'ai pas le droit de me faire toucher par l'eau, hein. ça c'est euh, une règle. Si je me fais toucher par l'eau, j'ai perdu. Donc là tu l'as posé Ouais. C'est long. <laughs> ah, ok, ben il est là. Est si long. Attends, mais ça, c'était la couche 80 Oui, oui. Bah... Ah, bah peut-être mets-le un peu plus haut parce que moi, je pense que j'étais plus haut que toi, sinon, c'est pas très très juste. Mais euh, ouais, mets-en un autre un peu plus haut parce que sinon, euh, ça va être trop facile. Bon, c'est un petit peu impressionnant, mais c'est un petit peu lent aussi hein, comme truc. Hein. <laughs> J'avoue que là, ça fait grave tsunami en fait. Là, il y a une espèce de grosse vague avec une. Après, je sais pas à quoi ça ressemble un vrai tsunami, mais. Bon, le tsunami est à ma porte, enfin. Bon, ça fait un peu 10 minutes qu'on attend, mais au moins il est à ma porte. Par contre, ce serait con de me faire toucher par l'eau bêtement parce que je reste euh, sur mon porche d'entrée. Mais normalement, déjà, je me demande ce qui va se passer. Est-ce qu'il va réussir à passer la petite marche Parce que là, ça se trouve, je vais rester tranquille et il n'y aura aucun problème. Même si ça m'étonnerait grandement. Non, sérieux, l'eau elle passe pas Ah, si elle passe quand même. Ah oui, oui, oula, oula. <laughs> en fait, ce qui se passe, c'est que là, le tsunami est en train de se propager sur une très grosse distance. Ce qui fait euh, vraiment laguer le serveur. Et c'est pour ça que l'eau elle se propage si lentement que ça. Mais là, pour l'instant ça pleut un petit peu pour moi même si je pense que très franchement à cet étage là regardez pour l'instant il n'y a absolument aucune eau qui est passée alors là il n'y a pas le gros tsunami qui est passé par en haut mais là pour l'instant sur les côtés euh, je, je suis bon je pense J'espère. Ça c'est impressionnant de voir l'eau qui est arrivée là qui a enseveli ma maison quoi. Normalement le verre il est censé casser hein, parce que ça fait tellement de pression normalement l'eau sur, le, sur, le, sur les vitres que normalement c'est censé casser... Oh là regardez l'eau elle arrive ici, elle arrive ici, elle commence à casser mais... mais Ah mais elle s'est même pas propagée ici, ah si elle s'est propagée ici, ok. Ok ok, bon bah pour l'instant je suis toujours en vie, hein. pour l'instant euh, l'eau elle, elle n'est pas passée. Bah je pense, écoute, Nadip, je pense que c'est un succès pour ma base. Alors évidemment, euh, le sous-sol il, euh, il a été inondé, mais c'est normal, c'était prévu. Mais en tout cas, là, sur l'étage, j'ai absolument aucun problème et je ne... Mais attends, c'est quoi cet escalier chelou là Il y a un trou dans, les, dans mes escaliers Ouais, c'est ce que je te disais, ça change de. Ah, d'accord, hein, oui, c'est l'eau qui fait ça en fait. Ah, ouais. ouais. Ah, d'accord. Ah, oui, c'est le bordel. Bon, euh, bah, du coup, écoute, euh, Natip, là, ça va se jouer vraiment à la décoration. Qui a fait la meilleure décoration Parce qu'au niveau sécurité, on est à peu près équivalents tous les deux. Euh, voyons voir, voyons voir un petit peu ce que ça donne. Oh là là, c'est trop stylé. Je trouve ça vraiment juste hyper stylé. Et là, il y a la deuxième vague qui arrive sur moi. Je me demande juste ce qui se passe si par exemple je casse ce bloc de verre là. Attendez, oh, mais regardez comment c'est trop bizarre ce qui ça a fait à toi Ouais en fait ça change les métadonnées des blocs en fait on dirait, c'est trop bizarre. Pareil l'escalier de l'entrée il a été un petit peu foiré ouais. Bref, est-ce que j'aurais pu survivre si par exemple ici là ce verre là n'avait pas été là Est-ce que en étant par exemple au-dessus de mes canapés, là de mes escaliers, est-ce que j'aurais été inondé? Ok visiblement ouais on arrive à faire en mode sous-marin. Ah si l'Olland, ok non j'ai eu peur. Ok, est-ce que j'aurais été inondé ou est-ce que là j'aurais été safe Bon remarque c'est un petit peu compliqué de rester safe ici mais... Oh, putain les gens c'est un truc de gros malade. Ce tsunami, ouais pas étonnant que ça lag like, parce qu'en fait ça se propage dans toutes les directions et donc au fur et à mesure il y a tellement de blocs à updater que ça fait laguer de ouf. Donc bah écoute Natip merci d'avoir participé à ma vidéo c'était vraiment très cool c'est vraiment à vous de voter les gens je vous mets un petit sondage en haut à droite pour savoir qui a fait la plus belle base parce que là ça se joue pas à la sécurité mais ça se joue vraiment à qui a fait la plus belle base. Donc bah écoute bonne chance Natip ta base elle était pas si mal la mienne je pense que ça je me suis pas trop trop mal débrouillé même s'il y avait 2-3 petits problèmes et voilà bah écoute bah merci Natip d'être passé les gens vous me direz si ça vous intéresse que j'invite Natip pour d'autres vidéos et puis euh, voilà le mot de la fin Natip qu'est ce que tu as à dire euh... <rire> <rire> Tsunami. Ok, nickel. Bon bah écoutez, voilà les gens, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Il y a encore d'autres Apoca qui n'ont pas encore été utilisés qu'on pourrait potentiellement utiliser dans des prochains épisodes. Donc si ça vous intéresse, on va se dire qu'à 30 000 likes, je ferai un épisode 2 de cette série. Dans tous les cas moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un gros pouce bleu. Je vous dis à très bientôt, salut tout le monde, c'était Natip et Fuse, à la prochaine, à plus.